Bah regardez, je vous disais qu'il y a une petite lumière dans les montagnes là-bas. Quand on sort de la carte, regardez là-bas. On voit qu'il y a une petite lumière sur la montagne. C'est très léger, mais on voit qu'il y a un truc d'allumé là-bas dans leur map. C'est chelou. Hey, salut à toutes et à tous les copains, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo chez votre tonton Tacos. Donc aujourd'hui écoutez, vous avez été nombreux à me réclamer en live un glitch que j'ai réalisé. Je vous lis un tuto, c'est chose qu'on va faire aujourd'hui. On va vous montrer tout simplement un glitch qui vous permet certes d'avoir le téléphone et de voler sur l'île principale du jeu. Donc c'est plutôt pratique pour aller sous la carte. Enfin voilà, vous pouvez vous balader où vous voulez dans la carte tout simplement. Et d'ailleurs quand j'avais fait ce glitch, j'avais découvert un petit truc dans les montagnes, dans les décors. Il y avait comme une lumière d'allumée. Mais également, ça vous permet d'aller visiter les montagnes et d'aller complètement en dehors de la carte, visiter leur map. C'est assez stylé, ça c'est fun. Ah oui, si jamais les copains, juste avant de commencer les explications et les petits tutos pour le glitch, je vous rappelle de ne pas hésiter à vous abonner pour tous les petits nouveaux qui tomberaient sur cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à votre tonton Tacos, vous êtes les bienvenus. Je compte aussi sur vous pour mettre le petit pouce bleu, les copains, hein, sur la vidéo, ça ferait super plaisir. Allez, je vous fixe l'objectif de 400 likes sur cette vidéo, je suis sûr que vous pouvez les atteindre. Si vous voulez essayer de recevoir un petit cadeau sur Fortnite, c'est super simple. Vous devez mettre le code créateur dans votre boutique d'objets, parce que oui, en fait, j'ai réinvesti les sous que je gagne avec le code créateur. Donc plus vous serez nombreux à le mettre dans la boutique d'objets, bah, plus je pourrai de temps en temps vous faire des petits cadeaux. Donc je compte sur vous, hein, pour aller mettre le code créateur. Et surtout, je le ferai du coup si vous arrivez à atteindre l'objectif de likes sur cette vidéo. C'est à vous de me déglinguer les likes, sinon je pourrais pas le faire tout simplement. Pour les copains aussi qui voudraient me suivre sur les réseaux sociaux, tous mes réseaux sociaux, c'est Raifit tout partout. Et on a également du coup un Twitch où je devrais bientôt faire des lives. Donc je compte vous pour me suivre partout, ça ferait super plaisir. Pour ça, c'est simple, hein, les copains. Vous allez directement en mode créatif, pour pas perdre de temps. Vous lancez un mode créatif pour faire le bug, ça se fait qu'en créatif. Vous allez sur votre île, vous mettez l'île que vous voulez. Je pense que ça marche plus ou moins avec tous les biomes. Vous allez du coup tout simplement devoir prendre des sols. Voilà, vous faites une petite passerelle, un petit sol si vous voulez. Vous prenez la petite plaque de réapparition, elle est juste là. Hop, on va péter celle-ci pour vous montrer. Donc, vous mettez une plaque de réapparition sur le sol. Vous prenez les petites pyramides, vous en mettez une. Et vous devez vous positionner de façon à ce qu'il y ait juste le torse, une partie des épaules qui dépasse de votre pyramide. Vous avez vu comment je suis? Là, vous faites réapparaître. Et dès que vous serez réapparu, vous devez mitrailler la touche de saut pour du coup bah, vous envoler tout simplement. Comme on est en créatif, vous pouvez voler. Donc là, vous avez vu, j'ai mitraillé la touche. Hop. Et je me suis envolé au-dessus des limites de ma map, en fait, hein, tout simplement. Voilà. Donc là, vous pouvez vous envoler du coup et aller directement dans la carte de Fortnite. Donc vous pouvez augmenter la vitesse de vol. Moi, on va mettre en x3. Hop. Donc là, libre à vous d'activer le truc pour traverser la map. Donc nous, on va le mettre sur oui. Comme ça, vous pourrez traverser bah, du coup tous les sols et aller où vous voulez dans la carte tout simplement. Je vois là par exemple si je veux traverser les trucs ici en dessous. Hop, et bah je peux, tu vois, je peux aller en dessous directement. Ici, si je veux aller visiter en dessous des usines et aller voir du coup le petit bunker qui est caché. Hop, je peux aussi. Vous pourrez voler où vous voulez. Du coup, aller directement au niveau des montagnes qui sont là-bas. Comme je vous l'ai montré en live. Là, on va, je pense, faire un tout petit accéléré. Et on va aller jusqu'au niveau des montagnes. Vous devrez tout simplement aller au-delà de la bordure invisible de la map. Bon, c'est assez loin en vrai, hein. Il faut avancer quand même pas mal de temps pour aller directement. Quand vous avancez, après vous aurez une espèce de barrière invisible qui va vous faire disparaître votre skin. Et quand vous avez cette barrière-là, vous descendez, vous continuez à avancer tout le temps. Et vous pourrez aller du coup en dehors des limites de la carte, au niveau des montagnes, même derrière si vous voulez. Si vous voulez visiter, vous pouvez vous faire plaisir. Regardez, on va y aller. Donc là, vous continuez à avancer, hein, comme je vous l'ai dit, jusqu'à ce que votre personnage devienne invisible à un moment. Il est censé disparaître. Par contre, là, c'est bizarre, ça me l'a pas fait pour l'instant. Ah, si, ça y est, vous avez vu? Là, mon personnage il devient invisible. Hop. Vous pouvez descendre vite fait si vous voulez ou voler, peu importe. Et au bout d'un moment, quand vous allez continuer à avancer, votre personnage il va redevenir visible. Voilà. Quand vous commencez à dépasser la zone, vous pouvez directement récupérer votre skin. Puis là après vous pouvez du coup visiter, aller où vous voulez dans la carte. Hein. Si vous voulez vous balader dans les montagnes là-bas ou aller derrière là-bas où vous voulez. Vous pouvez visiter du coup tout leur map, c'est assez stylé. Hein. Vous pouvez même aller en dessous si j'ai pas de bêtises, vous pouvez nager. Normalement ça marche. Puis bon voilà, maintenant libre à vous de visiter, d'aller où vous voulez. Donc ça marche de ce côté-là mais aussi de l'autre côté, hein. Ça marche vraiment partout dans la carte. Hein. J'ai pas encore tout visité moi perso de mon côté, il y a une petite montagne là-bas encore que j'ai pas été voir. C'est dommage, on a des indices, hein. Peut-être qu'on aurait peut-être des indices sur d'autres événements ou peut-être des easter eggs. Ça va, hein. Peut-être qu'ils en ont caché des easter eggs, des clins d'œil à un truc de la map précédente, je sais pas. Faudrait faire l'enquête. Faudrait mener l'enquête, je sais pas. Là-bas, voilà, je vais pas aller visiter plus loin. Ce sera à vous de le faire, les copains.
Bon, c'est un bug assez simple. Hein. Je pense qu'en plus, il y a la plupart des gens qui connaissaient déjà l'astuce pour sortir de sa map avec le téléphone et puis pouvoir voler. Enfin bref. Bah voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, les copains. On se recapte très bientôt pour d'autres. Et puis des lives aussi, hein, le week-end, le mercredi. Une vidéo tous les jours, hein, je vous le rappelle. Donc pensez bien à activer la petite cloche, à vous abonner. Ça ferait extrêmement plaisir. Puis voilà, très bientôt. Ciao, ciao. If you can hear me, then rescue me, please. Cause I'm drowning in pain and I can't even breathe. Save me from pleasure, I'm lost in my soul. These pills leave you empty.